Abraham, il pouvait croiser les luthériens, il pouvait croiser même les wesleyens. Il a rencontré aussi les pentecôtistes, il a rencontré aussi les pentecôtistes. Mais ces gens l'ont salué et après ils l'ont laissé passer. Mais quand l'homme, l'homme de la parole, les vieux Abraham sous les chaînes démembrés, a vu le trois hommes, il a vu Dieu dans la chair humaine. C'était Dieu. Il fallait que Dieu descende dans la chair humaine pour qu'il y ait un sacrifice à Golgotha. Mais dès là où Jésus est né jusqu'à la croix du calvaire, Siméon l'a reconnu. Il a dit: Père, mes yeux ont vu ton salut. La colonne des feux de sang pour superviser le don, lui montrant la voie, le guidant pour une mission. Le même pasteur qui descendait en Éden pour prêcher à Adam et à son épouse. Aujourd'hui il est descendu prêchant à l'épouse de Christ. La parole révélée, le message de ce temps, c'est bien Dieu lui-même, nous l'avons vu dans chair humaine. El Shaddai, El Shaddai, dans la chair humaine. J'ai dit bien, c'est bien Dieu, c'est bien Dieu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Dieu qui porte des saints.